Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le militaire n'est pas forcément très manichéen. La solution de facilité, c'est se dire, bon, il y a le camp des gentils, il y a le camp des méchants. La réalité est un petit peu différente. Ça ne veut pas dire qu'on fait preuve d'empathie permanente ou de pitié, etc. On sait mettre notre curseur là où il faut. C'est pas parce qu'on agit sans pitié que j'ai pas forcément d'empathie individuellement pour un mec. Et c'est marrant parce que par exemple, donc on suivait un assaut, je voyais le cadavre d'un des djihadistes. Donc, il avait été blessé aux deux jambes, il y en a une qui était arrachée. En fait, il s'était posé deux garrots, donc en fait, il était mort avec sa cigarette qui était consumée, donc encore dans ses lèvres serrées. J'ai regardé ce mec-là et je me suis dit, son comportement, en fait, je me suis identifié à lui dans le sens où je me suis dit, si ça m'était arrivé à moi et que j'avais été blessé, quelle aurait été ma dernière action, quoi. Et je pense que je me serais cramé une clope comme lui, quoi.